j'ai utilisé le taser, je crois. Ah non, ça va. Ouf. Bon. Voilà, ça moi. Crève, communiste. Bon, vous avez vu que c'est assez folklorique pour essayer de tuer nos fameux droïdes ici. Bon, l'avantage, maintenant, c'est qu'on l'a tué. C'est... ouais. C'est un des seuls avantages qu'on peut en tirer là maintenant directement. On a créé... on a utilisé pas mal de medikits. Je sais pas si franchement le rapport... combat medikit est égal, mais bon. C'est pas grave, au final, j'ai quand même tout ce qu'il faut dans ma réserve et dans mes poches pour pouvoir en refaire assez vite. Donc, allez, pourquoi pas. On va s'équiper de son. Normalement, il y en a là encore. C'est pas ça le concept. Ah non, c'est celui que j'ai tué, je crois. Bon. Si je suis en phase avec ce que je pense, j'ai réussi à tuer tous les droïdes du coin. Utilitaire. Voilà. Réfrigération d'urgence. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... ah. Mais c'est mieux. Voilà. Il faut que je passe à gauche ici. Par contre, ça aurait été peut-être bien de fouiller un peu dans les pièces pour essayer de retrouver du matériel. Parce que vous avez vu que... oh oh. Putain. Voilà. On y est. Non, ils veulent pas se battre. Si je fais ça. Non. Non, il veut pas. Bon. Ça va être un petit peu chiant. Agent collant. Non, je peux pas faire de cocktail molotov. Bon, ok. Jusque là. Ouais, tu vas m'attraper rien du tout, ouais. Peut-être en fait. Peut-être qu'il m'attrapera. Je vous propose la fuite. J'aime pas trop cette alternative. Mais. J'ai pas le choix. Super, la deuxième. Bon. Punaise. Bon. On va les amener tous les deux ici. Viens ici. Voilà. Bon, vous avez remarqué que je peux pas les taser. Pourquoi? Tout simplement parce que... ah, il m'a chaud les lots. Parce que bah ils ont une combinaison. Hein. Ça a été tellement... tellement bien pensé. Et je peux pas... ça sert à rien. Voilà, bon. Je pense que j'ai utilisé une grenade pour rien, encore une fois. Le taser, bah, il n'est pas efficace non plus, sinon je l'aurais utilisé peut-être sur un des deux protagonistes. On y est. Allez, on va pas tergiverser. On va utiliser l'ordi ici, voilà, le syntoniseur, en espérant que ces cons, ils arrivent pas dans mon dos. Sinon, je vais devoir les massacrer. Ou eux vont me massacrer, c'est au choix. Voilà. On a déjà entré ce code là. Système de sécurité de l'hémisphère gauche, activation réussie. Système de sécurité de l'hémisphère droit, activation réussie. Il y en a là. Ah, il y avait une sauvegarde ici. J'aurais peut-être pas dû sauvegarder là maintenant. Bon, c'est pas grave au final. Dans la hâte, on fait parfois un peu n'importe quoi et ça c'est ce que je viens de faire. Voilà. Avec un peu de chance, je vais aller verrouiller sa race. Voilà. Là, voilà. Ah, attends. Je vais peut-être y arriver. Je vais utiliser pas mal de ressources. Non, il veut plus. On va se soigner maintenant. Oh. Aïe. Pourquoi je perds de la vie? Ah, pour ça. On est obligé d'en arriver là. Pas de problème, mon garçon. Allez, tu vas mourir ou quoi? On est obligé d'utiliser pas mal de ressources, hein. Ça c'est bien dommage. Alors, attends, je vais me laisser attraper. Voilà. Et je vais lui mettre un bon coup dans sa truffe. Et le temps que je tue le deuxième, enfin le premier, le deuxième sera déjà là, je pense. Bon, finalement je fouille le combat, j'ai pas le choix. Ok, on va lire ça, ils sont à la porte. Monsieur Apollo, il y a des
va pas traverser ici, on va traverser au fond du couloir à droite, c'est bien ce qui me semblait. Bon, vous voyez que, oh là là, un petit shotgun ça aurait été magnifique. Et là, on n'a pas ça en stock. Ah, utiliser cette église. Ok. On va tout allumer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Utiliser le syntoniseur sur le terminal du dôme. On y est. Alors, ça, c'est derrière nous. Ce qui est frustrant, c'est de savoir que ces unités sont, je vais pas dire, facilement tuables, parce que c'est pas le cas, mais elles sont tuables. Et c'est comme si le jeu nous avait fait don de l'impossibilité de le tuer, ce machin-là. Bon, puissance faible, ok. Pour le moment, on peut pas. On va passer de l'autre côté. Ah, là, on est dans le cœur. Ouais. Dans le cœur d'Apollo. Alors, il va falloir utiliser un syntoniseur, je crois. On va quand même sauvegarder la partie pour se faire plaisir. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Et sauvegarder surtout notre progression. Ça, ce serait quand même bête. Alors, utiliser syntoniseur sur le terminal du dôme. Ouais. Ok. Porte fermée. Ah, là. Voilà. On y est. Oula, il va vite, lui. C'est une blague. Réduire les capacités de sécurité d'Apollo. Ouais, il y en a beaucoup. Alors, réduire les capacités de sécurité. Alors là, oh, j'en avais vu. Ah, utiliser le bouton, c'est quoi ça? Bon, écoutez, on verra. Il me semblait qu'il y avait un truc au syntoniseur ici. On va aller voir parce que c'est... Tiens, je peux l'utiliser maintenant. C'est nouveau, ça. C'est quoi ça? Ouais, et alors? Ah, 82-49, tiens. D'accord, il faut, je sais pas si vous avez vu, faut faire correspondre les unités numériques en haut et en bas. Bon, finalement, c'est fait. Alors maintenant, on va re-sauver, hein. On est à côté, veuillez patienter donc, on ne sauvera pas pour le moment en tout cas. Et ici, est-ce que j'ai réduit, ouais, la sécurité, c'est bon, je l'ai, ah, c'est pas possible. C'est embêtant parce qu'il faut pas... Ouais, bah, je l'ai perdu. Non, je suis complètement foiré. On va recommencer, on va reprendre son esprit. Alors, attendez, parce que le signal, je le perds assez facilement. Il est où, lui? Là! Ouah, tout juste. Ça a été tout juste. J'ai cherché après. Consulter Apollo. Ok. Ici, je pense. Consulter Apollo. Ok. Qu'on est dans la mémoire principale, je vous le rappelle. Donc c'est le cœur du problème. Ah, utiliser le bouton. Je vais pouvoir certainement. Ah, il se lève. Voilà, je vais consulter Apollo maintenant, je vous laisse pour la vidéo. Il est pas sur cette foutue station. Quoi ? Merde !
Ok, bon, voilà, on a compris déjà pourquoi toute cette sécurité et tout ce truc. Et pourquoi? Parce que, simplement, ils veulent prendre le spécimen alien. Simplement. Et nous, on est là, en plein milieu de cette... cette guerre, vous voyez ça comme ça, de profit, parce qu'il n'y a rien de plus qu'à moi. Ça n'est que du profit pour eux. Ah. Wayland, bon. Je vais sauvegarder. Meilleurs. Tant qu'on y est. Alors je disais, donc en fait nous on est en plein milieu, on essaie de désengager toutes les sécurités et logique qu'elles étaient infructueuses depuis le début parce qu'en fait Apollo a reçu un ordre de la Wayland de maximiser les chances de garder en vie ce spécimen extraterrestre pour pouvoir l'étudier. Si vous avez vu Alien, je pense que vous avez compris pourquoi. Hein. Alors, on va accéder à ce terminal qui est juste à côté. On va en profiter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Audio, non. Utilitaire, non, même pas. Je m'attendais à mieux. Alors, avec Apollo. Bon, ok. Il n'y a rien de folichon pour nous débloquer. Ah, je pense qu'on va vers la salle des machines. Ah, on est... Ok, on approche vers le... Comment dire, vers le noyau du réacteur. Sixon a revendu. Ricardo, Apollo refuse de céder et dit qu'il y a un problème dans le réacteur. T'es de la compagnie. Dis-lui que t'en as rien à foutre et qu'il doit t'obéir. Désolé Ricardo, mais je compte pour du beurre. Samuel, Seth et Laure, moi, on n'est que du vent. Je suppose que si on fait quelque chose, Apollo a un peu moins envie de nous tuer. Alors, on va aller vers... le réacteur, mais le refroidissement, système de refroidissement. Alors il se passe quelque chose dans le réacteur central, c'est Apollo qui nous le dit, donc on n'a pas le choix. Il se passe quelque chose de problématique. Ah, ici on a quelque chose. Allumer le système de trappe. Je sais pas si je fais si c'est une bonne chose de l'allumer maintenant, mais bon, tout ce qui est allumé ne devra plus l'être par après, je pense. On avait quoi? Peut-être que je bouge aussi, non? Ah, peut-être le mettre en route, c'est ça? Ouais, activer le tram. On va l'activer, on verra bien ce que ça donne. J'en ai aucune idée, à mon avis, c'est pour dégager le passage, peut-être. Connaissant le genre de manipulation dans le jeu. Voilà. J'aurais pu le parier. Bon. Il y a un truc à lire ici. Ingénieur disparu. Il se passe quelque chose d'étrange. Il n'y a rien là-dessus qui peut être intéressant. Non, c'était bien évidemment juste pour passer ici. Je ne sais pas qu'il ne pourrait pas passer dans un conduit d'aération sans galérer. On ne sait pas trop quoi faire. Ça paraît un peu injuste de continuer le travail sans s'arrêter pour le retrouver, mais on ne sait pas où chercher. Notre service est bientôt fini. Je vais rapporter l'incident à Waits et au Marshall. On a toujours pas de mouvement. Ça, c'est quand même déjà une bonne chose. Veuillez quitter la zone. Accès réservé aux ingénieurs uniquement. Il y a des... Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a des caméras. On est avec... Maintenant, un système... Tiens, ça vibre. Pourquoi ça vibre? Il y a du mouvement. Ok. Super, j'adore le sushi. Vous remarquez que j'ai claqué toutes mes ressources pour buter un ou deux droïdes et maintenant ils sont là tranquilles comme s'ils étaient chez eux. On va devoir soit ruser soit bourriner. Personnellement, on va faire la purification de l'air, je ne sais pas pourquoi, mais on verra bien si ça nous amène à quelque chose de concret. Bon, il n'y a rien à ramasser, tiens. On voit rien du tout, ouais. J'ai désactivé le truc ou quoi? Bon, on va retourner, on va tenter de retourner où j'étais parce que je pense que j'ai fait de la merde.
accéder au routage. Je vais pas le mettre. On verra si c'est mieux. Non, c'est pire en fait. Donc, on sait déjà que c'est pas par là qu'il faut passer. Bon. On avait un droïde ici dans le coin. Là, salut droïde. Tiens, ça c'est pour tes frères ça. Voilà. On l'a zigouillé le malheureux. Tant pis. Il n'y avait qu'à se soumettre à ce qu'on voulait. On va remarquer que là même au niveau des trucs défensifs, il nous manque toujours un objet. Ou toujours un composant, je devrais dire, pour être plus complet. Donc on va devoir le faire un petit peu à l'arrache. Bon, c'est pas grave, on va faire avec, hein, tant pis. Ou alors, il y a quelque chose que j'ai... Ah, on a trouvé quelque chose. Ah, c'est quoi ça? Soudeur au plasma. Tiens. Donc j'allais justement vous dire, ou au pire des cas, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans le système de combat. Peut-être qu'en fait, on peut prendre l'avantage sur notre camarade en face quand on se bat et que je sais pas comment faire. Peut-être au final, peut-être. Étage de la salle des machines. Oh, génial. On va devoir ruser. Ok. Bon. On va se passer comme ça. On va passer en dessous. Bon. J'aurais voulu passer directement, mais c'est pas grave. On va pas se hâter non plus, ça sert à rien. Allez, vas-y. Voilà. J'allais dire, dès qu'il fait le mouvement dans l'autre sens, je passerai. Sert à rien d'activer les caméras. On n'en a pas besoin. À part peut-être... ça nous servirait à rien, à part peut-être de regrouper tous les droïdes ensemble. Ah. On a un truc pour le soudeur ionique. Bon, de toute façon, maintenant, on est en plasma, donc... on va tout découper, voilà. Hop. Et swing, voilà. Couper le panneau dans l'urgence, seulement en cas d'urgence. J'appelle ça un cas d'urgence d'ailleurs. De toute façon, on va mettre ça sur la note de frais de Wayland, c'est tout. Ou Sixon. Donc en fait, si je comprends bien au niveau de l'histoire, il y a eu cette infestation, ok. Et Wayland a racheté directement la compagnie Sixon qui était en vente et qui était presque, on va dire, façon de parler, en faillite. Donc elle l'a revendu, enfin elle l'a racheté directement pour pouvoir en fait avoir ce fameux spécimen.